Et le micro, l'ordinateur quand je fasse, ça va tout seul. Vas-y, tu veux. Je peux. Bah moi je me prépare, vas-y, je joue et je stream. Je joue et je stream. Ça y est, là on est en live. Alors bonjour monsieur, on va te vendre quelques trucs. Hein. T'as plutôt intérêt à m'en donner un bon prix. Alors moi je te vends ça. Ça ne sert à rien. Ah, c'est tellement dégueulasse par terre. Ça, c'est pour 20 secondes. Du pain. Eh, tu refourges bien ce qu'on a des carottes là. Et. Hop, toi tu vas m'acheter ouais, tout ouais. Ça. 92, c'est pas assez. Hein. Allez, un petit 120 quand même. Offre refusée. Va te faire mettre. Eh, mais c'est eux qui vont nous refuser la vie après. Non, on n'a pas mis le mode. Là, tu fais au revoir, bonjour, et c'est bon. Est-ce qu'on lui achète un sort? Et on descend. Et. Non, on n'a pas mis le mode. Étincelle, dégâts de foudre, boule de feu. Une seconde sur 5 pieds de distance. Soin du cœur. Résistance à la magie. Main du père, sanctuaire, 1,40 points, on sait toujours pas ce que c'est. Si, si, vas-y, si, lui aussi. Non. Absorption de fatigue, 800 pièces d'or, similaire. Étincelle. Bon, on va pas acheter pour l'instant. Ah, déjà, le sort de feu, il est tellement pété de base. Ça va. Attends, j'ai pas lancé l'enregistrement sur Twitch, sur OBS. Ah, l'enregistrement. Du coup, tu stream, mais t'enregistrais pas ça. Attends, vas-y, fais démarrer l'enregistrement. Vas-y, voilà, et puis alterne. On peut pas faire le tap, ça va que cracher. Ah non. Alors, est-ce que je cours là? Ok, faut appuyer. Et non, j'entends pas du tout le son du jeu. Bon, allez, on se tape la petite grotte du début. Je crois que c'est par là. Mais pourquoi il n'y a pas le son dans le jeu? C'est pas normal. Mmh. Ouais, c'est d'être dans. Putain, les altabs ils sont risqués. Le son. Ça me l'a tué, il n'y a qu'une LSB dans un paramètre. Même en audio. Ouais. Et là, tu as par périphérique audio du bureau, c'est marqué par défaut, ouais. J'ai LG TV. Vas-y, fais appliquer OK. Et ça devrait être bon normalement. Si ça marche pas, je. Putain, y'a pas de son encore. Un petit F5. Ouais, ah, si, un peu de son. Ah non, j'ai cru entendre un truc. Mais... j'ai cru entendre un truc, c'est la télé, elle a 10 000, tu sais. Ah, vas-y, retourne sur. Et là, normalement. Tu sais, il fait petit, mais pourtant, il y a du son qui sort. Ouais, par contre, il va falloir baisser le son. Là, tu vois, genre audio du bureau, faut baisser. Ça là? Ouais. Et là, tu vois, c'est trop bas en fait à droite là. Je sais pas si c'est le son de Windows. Je vois. Et mais genre full. Voilà. Et par contre, la baisse met genre moins 40 décibels. Non, pas là, en bas. Audio du bureau. Non, ouais. Ok. Et à moins 40. Ouais, là, ça va être bien. Et là, c'est parti. Putain, la galère, hein. Ça sent les. Des streamers professionnels, ça. Ouais, y'a toujours pas de son. Hein. Et attends, maintenant. Y'a pas de son. Y'a toujours pas de son. Mais au pire, on joue sans son. Ce qui est très dur. Comme Véronique! Ah mon dieu! Guillaume, tu fais plus jamais ça.
enterré, je fais plus jamais ça. C'est un truc que tu viens d'inventer maintenant là, ou c'est pas fabriqué? Bah non, Véronique Sanson. Non mais d'accord, mais je veux dire. Genre, t'as l'habitude de dire ça quand on dit Sanson? Non. Enfin, ça m'est venu naturellement, on va dire. Alors, hop, ça. Par contre, c'est chiant qu'il y ait pas de son. Mort sur rien qu'en descendre. Bon, allez, on va se mettre la petite dague au cas où, mais. T'es parti faire la. Bah, je vais rentrer dans la grotte. Hein. Hop, le premier mec là, j'arrive, pas le temps de niaiser. Boum dans sa gueule. Mais par contre, ça, c'est... Ah, il prend pas cher lui. Putain, il voit rien. Il voit rien. Il fait crever comme une merde. Ouais, putain, comment on pourrait foutre le son? Là, je comprends pas ce qui se passe. Putain, je suis sûr que c'est. On se fout des petits habits pour avoir l'air moins con. Je suis sûr que c'est. Si c'est foutu sur cet écran là le son. J'avais oublié. Ouais, non, avec c'est... les mods. Whoop, whoop. Je te sais. C'est un dessus. Petit côté Gérald de Rive de The Witcher, vas-y, refais tout droit. T'as vu de notre perso enfin, la miniature. Et j'avoue. Enfin, vite fait, il a pas la peau bleue. Je crois que c'est les vêtements qui font ça. On peut pas le tourner. Par contre, ouais, non, mais le son, ah, y a quelque chose. Ouais, j'avoue que c'est un peu chiant sans le son. Les effets passifs. Ouais, je peux sauvegarder. Et vas-y, là, à droite. Clic droit. Mais non, mais putain, pourtant, c'est bon, mais c'est quoi ce délire de merde? Pourquoi il n'y a pas de son? Vas-y, fais par un machin de lecture, là. Fais genre un clic droit, là, vite fait. Enfin, pas à droite, mais vas-y, clique. Non, enfin, clic normal. Par défaut. Et remets sur LG TV3. Vas-y, refais le truc. Par okay. Défaut, ok. Et là, normalement, il y aura du son. Putain, mais il y avait du son il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes, ça marchait. Trop beau. Mais tout à l'heure, quand je sais, ça marchait, ça y est, pas trop là. Il y a toujours pas de son dans les salles. Que se passe-t-il? Non, je veux du sang! Sauf que c'est Morwin qui a fait de la merde. Tu crois? Le pire, je pense pour relancer, de toute façon, il y a 3 viewers qui sont restés, je sais pas pourquoi ils restent. Ce malade. Si tu l'as relancé, t'as sauvegardé? Oui, je l'ai sauvegardé. Il doit être par là. Et putain, pourquoi il y a plus de son? Mais y'a du son normalement. Ouais, normalement y'a du son là. Putain, pourquoi y'a pas de son sérieux? Pourtant il est un max. Là tout est là. Ah oh, c'est chiant. Bon, je pense que ça le saoule. Bah je sais pas, putain ça marchait deux secondes. Comment on peut faire C'est pas moi qui ai roté, hein, c'est Quentin. Réfléchis et le son. On se passera de ce genre de commentaires à l'avenir. Comment je ne crois pas. Putain, pourquoi il n'y a pas de son? Tu ne peux pas m'arrêter. Pourquoi il n'y a pas de son? Et pourquoi il y a crème de gobelin ici? Ça, on peut le tège. Attends, ouais. Ah putain, ça me saoule. Franchement, j'en ai trop marre. Je hais ma vie. Le mec est trop violent. Juste pour avoir dû ouvrir, on va mettre un truc random. Il n'y a pas de son qui sort. C'est magique. Mais on était pas sur le bon truc. Non, mais si, mais. Ah oui, ok. Non, là, il y a du son qui est envoyé pourtant. LG télé. C'est la télé qui bug en fait. Bon, bah, on va partir là-dessus. Hein. Il va falloir mettre genre ultra bas. On va essayer à côté du micro là en plus. Mais voilà, après à toi de gérer le son. Ouais, pour lancer la partie. Mais ça par contre, c'est quoi ce son? La télé elle est morte. On est parti là. On y go?
Enfin. Ah, attends, fuck! T'as pas sauvegardé? Ah si, mais en sauvegarde rapide peut-être. Quand tu passes une porte, ça sauvegarde. Eh ouais, normalement. Bah ça va, mais c'est pas comme si on avait fait 10 000 ans non plus. Mais... C'était ça. Nickel. Putain, t'as déjà chopé. Ah, ah. T'as Oh, on peut voir derrière les murs. On voit le vide total. Et du coup, t'as fini la. Bah non, j'ai pas fini la grotte, j'ai juste tué la meuf à l'entrée de la grotte. Là, il faut ressortir pour attendre, se soigner. Bah, se faire encore agresser par le pays. C'est possible. Ouais, c'est même sûr. Ouais, ça va. Parce qu'il m'a agressé. J'avais pas le laisser s'en sortir comme ça. Hop. Bon alors c'est là que ça devient un peu chaud. Va falloir se taper l'autre là. Hop hop hop, ça va pas être simple. Allez. Là, le jeu, il est trop bas. Et j'entends rien. Là, tu peux, Comment on l'augmente? Tu peux augmenter avec ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi il se passe rien? Si on entend un mini son, je sais pas si t'entends. T'entends le son? Oui, j'entends, mais et pas fort. Bah, c'est parce qu'il faut. Bah, non, je sais, faut... en fait, il faut l'augmenter un petit peu dans le. Alors, franchement, c'est casse-couille, putain. L'augmenter un peu dans le. Dans le truc de Windows. Genre à la main. Mais, genre, pas trop parce que. Il faut enlever un peu des décibels dans bass aussi. Genre, mais ouais, à 20. Et dans des. Dans. T'enlèves. Je sais pas, tu mets à la moitié. Ça là? Ouais. Ah ouais, mais non, mais attends, il est bugué en plus qu'il faut. Attends, vas-y, donne. Ah oui, il faut changer. Et non, ça devrait être mieux. Bon, c'est bon, on est bien. Allez. Toujours pas. Il y a un peu plus de sang déjà. Bon allez, on va se taper l'autre là. Viens par là mon chéri. Ça y est, il m'a vu. Alors là, la technique c'est de laisser envoyer toutes ces boules sans se faire toucher si possible. T'as tant qu'il a plus de magie hein. Ouais. C'est toi la... ah, dans la vraie vie qui n'utiliserait pas ça hein, comme strat. Je pense bon. Qu'il ben, c'est pas assez simple mon gros. Enfin, surtout qu'il peut pas toucher, il dit n'importe quoi. Ça va, Michel. Allez, meurs. Putain, il est trop faible ce sort. Il va mourir quand même. Non, mais non, t'as vu, il me fait pas perdre de vie. Non, lui vraiment, ça, son point fort c'était la magie, mais là. On va dire que le stream est bon. Hop. Bon, pas besoin de libérer les autres couillons. J'avoue que à quoi ça sert de faire ça? Ouais, forcément, il y a des ennemis. Petite sauvegarde rapide. Enfin, rapide. Hop, ramène-toi, toi. Parce que je vais te mettre. Ah oui, elle balance des shurikens. Attends, on voit même. Ah! Oh la vache! Ah le bâtard! T'es en train de te battre monkey là? Ben. Paumé. Oh putain, il m'a buté! Il t'a buté, mon dieu. Première caverne. Première mort, bah oui, je sais, c'est un peu la misère. Par contre, je suis déçu, on a pas rencontré les mecs de la confrérie noire encore. Ouais, pas encore, tu. Attends. Tout vient à point à qui c'est d'attendre. Tout à fait. Bon, alors je sais ce que je vais faire déjà, je vais récupérer ma vie. Avec les cadavres à poil par terre. J'ai pas dénudé le mec. Ça y est, maintenant que j'ai des vêtements, j'ai plus besoin de dénuder tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire, lui? Appel de fantôme ancestral. On va le laisser battre se battre avec ça un petit peu.
Bah non, j'ai juste des vêtements. J'ai juste des vêtements. Hop, et maintenant. Destruction. Quoi? Allez, meurs. C'est le même coaster. Ouais. Oh! Wow. Zéro PV, quoi, ou ça? Ah non, ah, t'as manqué ton machin. Ouais. Il y en a un autre un peu plus loin, mais il est pas, il nous a pas vu encore. Putain, la vache. Ça va, toujours pas de mec de la confrérie noire. Rien à signaler. Oh. Alors, combien ça vaut ça? On prend. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça, on prend. On prend. Hey. Hey. Et une hache de guerre qui vaut. Écoute, c'est trop lourd par rapport à ce que ça vaut. Oh. Des parchemins. Une bouteille vide, de l'or, on prend toujours l'or. Pourquoi pas, un tonneau vide, nul. Petite sauvegarde. Un bracelet de fer, non. Une polière de chitine, ça c'est de l'armure légère. Potion. Or. Allez, bouge. Alors, un peu d'or, une petite caisse, ah, du sucre de lune hein, pour tous les drogués de Warfendel. Une petite ceinture ordinaire, des chaussures de qualité. je crois qu'on va garder les bottes, elles ont un peu plus d'armure. Des chaussures de qualité pour toujours garder le style. Une jatte, non merci. Et quoi dans ce tonneau? Ah, du sucre de lune et du reste, on va prendre. Non, avant de lancer mon poste, je vais attendre. Et lancer cette caisse là. Des oreillers, mais oui. Ah, le skooma. Encore une fois pour tous les drogués. Un pantalon ordinaire noir. Est-ce qu'il est plus beau? Ah, c'est pas mieux. Dégueu par terre. Si je mets là, je pense que ça devrait passer. Celui-là est mieux. Allez. Toujours regarder le style, hein. Très important. Alors, y a pas un autre pecno dans le coin? Cri d'esclave d'Adam Ezarus. Hop, hop. C'est mal aux yeux, en fait. C'est de l'eau éclairée. Hein. C'est... Y a un spot. Ah non, c'est un nouveau type de vision, tu vois. C'est pas de la vision nocturne. C'est de la. Fin. C'est sa vision aquaphile. Et c'est parce que t'es un elfe noir. Bien sûr. Tu es dans un endroit trop trop sombre, comme l'eau par exemple. Et. Mais par contre, juste dans une caverne sombre, bah tu par peux contre, te faire si un. Tu rajouter là sur les pierres des. Je sais pas, des petits champignons fluorescents, ça aurait été bien stylé. Et... Mais je crois qu'après il y en a. Ouais, bah là il y en a un petit peu. Quoi. Ouais, enfin. Ouais, mais je veux dire, on a déjà eu des. Mais t'es placé où là? Bon après on tryhard une polière de cuir de neige. On tryhard Casus. Et alors on avance dans cette grotte. Bon celle-là on l'a fait un peu rapidement. Et on est revenu au début. On a fait le tour hein. Et moi j'ai pas été libéré des esclaves. Hein. Ils s'en sortiront très bien tout ça. À quoi ça sert de libérer les esclaves? Est-ce que ça a un appel un jour sur quelque chose? Je ne crois pas. Ça sert vraiment à quelque chose, c'est juste avoir des bracelets d'esclaves. Ah, c'est pour le. Tu vois, c'est pour te mettre dans l'ambiance du jeu. Si t'as envie de faire quelqu'un qui est gentil et tout, bah tu libères les esclaves. Tu te sens mieux après. Putain, j'avais l'impression qu'on était. S'il était plus stylé qu'on avait joué.
Là, t'as vu, ça fait trop plat partout, t'sais. Là, t'y vas en échassier. Oh, bah oui. Bah, sinon, on va s'arrêter en chemin et faire 36 grottes. Ouais, c'est vrai. 48 heures pour commencer la première quête. Balmora. Oh, puis il est direct comme ça, genre ouais. Cache. Mais c'est pas très loin, Balmora. Ouais, non. Et voilà, voilà. T'es RAM le PC là. PC en carton. PC en carton, PC en mousse. Pourquoi il y a des clochards partout? Ouais, je me rappelle. Putain, cette ville là, les premières fois que j'ai joué, j'avais tué la maison à gauche là, les vieux marchands. Ouais. Ils avaient tous buté pour prendre leur maison. Enfin, ils faisaient tuer tout le monde dans la ville. Mais... C'est quoi ce vieux malade? Allez, on va aller te vendre. Lui, c'est un connard. Il fait pas des bons prix, lui. Ouais. Non. Enfin, la flemme de chercher un autre marchand. Et tu vas vendre tes daubes. Ah, mais ouais, lui, il prend par contre, il prend le skoumag, contrairement aux autres, je crois. Ah, ouais, c'est un putain de contrebandier, quoi. Ouais. Par contre, il a pas beaucoup d'or, quoi. Ils ont jamais d'or, ces gros radins. C'est vrai. Musque d'insecte, fortifié, personnalité. Ouais, mais du coup, on a mis un petit peu d'alchimie, on peut voir si. Fortifié, volonté, endurance. Est-ce qu'on la garde, c'est la cognac? Je sais pas, mais est-ce qu'on s'en servira? Bah, on peut toujours, hein. Mec, en plein combat, il ouvre sa bouteille de cognac. Hop, allez, je te balance tout ça, j'en veux pas pour l'instant des ingrédients. Du pain. C'est le truc qu'on a ramassé au début. Tiens, le sucre de lune, 10 fois 50. Ah putain. Et il achète. Ouais, non, mais là, il a trop d'or. Alors, soit on lui rachète un truc, soit on se fait enculer. Mais au pire, on vend à d'autres. Il y en a plein des marchands normalement. C'est vrai. Parce que là, tu vas acheter quoi? Je ne sais pas. Tantôt fielon. Tantôt en acier. C'est tantôt quoi, démoniaque. Ouais, c'est un espèce de sabre japonais. Ouais, je crois que c'est tantôt ça. Tantôt démoniaque. Le truc. Attends, c'est une arme qui invoque une arme. Ouais, c'est. Surtout que tu peux pas l'âme avoir. Longue. Tu peux pas avoir deux armes en même temps dans. Dans Morrowind. Tu veux pas faire l'Akimbo, je crois pas. Dans Skyrim. Ah putain, dans Skyrim il y avait ça. Tu peux pas avoir le. Tu peux te mettre en mode double arme. Bon, on va récupérer un peu de sucre de lune. C'est 597. Bon, allez, je vais me débarrasser de ces pantalons. On est monté à 600. Hop, proposé, vendu. Et maintenant, on va voir Monsieur Caius. Pousse-toi, racaille. Pousse-toi, racaille. Michelot. Que de la racaille, de toute façon, ils détestent tous les étrangers là-dedans. Ouais. On l'a dit, genre, c'est poste. Prépare à être le plus éloquent possible. Oula, le plus éloquent. C'est attends, c'est attends, éloquence, combien? Ouais, t'as combien d'éloquence dans ce jeu? Tu dis ça à ton CV pendant un entretien d'embauche. Alors, j'ai 15 d'éloquence, Maureen. Ah ouais, c'est ça, c'est tout à fait. Ouais, non, en fait, je veux dire, tu fais un CV en mode. En mode Maureen, mais non. Je pense que tu vas te faire recal direct. Même au McDo, ils ne prêteront pas. Et on a 45 en destruction, quand même. Lame courte, 40. Il est où, Caius, là? Pas loin. Où est-ce que je suis? Je crois qu'il est juste. Il est là. T'as vrai, le mode, il est quand même tellement énorme. Ah bah, c'est alors, sûr, ça améliore un petit peu. Hein. Je sais pas si sur Oblivion ils ont fait des. Ça, ah, sur ça sentit. Ouais, bah après, bon. Faut pas d'omelette sans casser les œufs. Et il va être à poil là dans son truc. Torse. Je savais pas. Oh, sa gueule! Et surtout, oh. Regarde ses abdos. J'avoue, ça va trop pas avec sa gueule de vieux. On dirait Didier Deschamps un petit peu. Oh putain, j'avoue. Ah ouais, un petit peu aussi un homme politique qui ressemble à ça. Comment il s'appelle? Putain, il est pas très connu, il fait genre il est connu mais il sert à rien. Comment il... Si, je suis sûr qu'on en a. Attends, je vais chercher. Alors, rapport à Caius Cossades. Bien, vous dites vous appeler Jean Deschet et avoir reçu pour instruction de me remettre un colis. Le truc pas sérieux. Jean Deschet. Vous dites vous appeler Jean Deschet, y'a pas comme une connerie dans l'air là. Si vous me le montriez. Jean Deschet. Genre, là tu peux dire non en plus. Oui. Et si tu dis non, ça fait quoi? Je sais pas. Puis ça se trouve, il te défonce avec ses points. Non, je crois qu'il te dit au revoir et puis après, t'as plus qu'à lui reparler jusqu'à ce que tu dises oui. Tu vas le revoir 2 secondes plus tard, c'est non, en fait, excusez-moi. C'est une blague. Je voulais juste tester pour voir ce que vous alliez répondre. Ouais, ça pourrait le faire. Oui, très intéressant. Bien, je lis ici que l'empereur souhaite que je vous nomme novice de l'ordre des lames. Mais cela signifie que vous devriez par la suite suivre mes instructions. Ah, faut pas lire. Faut pas lire, c'est toi qui pas lire.
Hein? Ouais, d'accord. Ouais, putain, mais sérieux, mais lis, lis. Vas-y, lis alors. Non, tu m'as coupé l'envie. L'ordre des lames, hop, on se renseigne un petit peu, hein, toujours, regarde, hop. Le journal a été mis à jour. Faire quoi déjà? Je sais pas. Sais plus à quoi il sert sur la quête. Mais si, c'est la quête là où on va dans la grotte pour récupérer un cube. Ah oui, mais en plus elle est trop dure cette quête. Non, ça va encore. Ouais, il me semblait qu'elle était dure. Ah oui, non, non, je confonds C'est de. surtout le mec sur le pont avant en fait, qui est chiant. Ah oui, bah d'ailleurs, vas-y, faut y aller en sprintant là parce qu'il est mis ce Ordre. mec. Ah, ça y est, j'ai reçu mes ordres. Je dois. Vous venez d'arriver, cela se voit. Voici 200 Drake, merci. Allez vous acheter une arme, une armure ou un sort. Oui, bien sûr. Ensuite, vous aurez besoin d'une Ah, couverture. t'es Par déjà arrivé ici, là? aventurier est un métier courant. Rejoignez la guilde des guerriers, la guilde des mages, le culte impérial. Ouais, mais ça sert à rien de faire ça. Vas-y, on va voir Revenez le quand vous mec. voulez, j'aurai de nouveaux ordres pour vous. Ah voilà, ordre. Ou ouais. Je veux que vous alliez parler à Instant Antabolis de la guilde des guerriers de Balmora. Demandez-lui ce qu'il sait au T'as sujet. t'imagines qu'à l'époque, quand tu jouais à ça, t'étais sur un écran cathodique en 800 sur 600. Mais. Et t'avais au moins 10 000 lignes à lire, t'sais. À la fin, tu devenais aveugle. C'est pour ça que j'ai que 2 sur 10 au-dessus. J'ai trop joué 2 à. sur 10. Ah, le menteur, il porte même pas ses lunettes. Mais pourtant, ça sauve la vie. Du coup, là, tu vas directement au pont. Bah Et non. ça, c'était énorme aussi, il y Il avait faut pas d'abord, il faut des. aller parler au mec de la guilde des guerriers. Putain, je me rappelais plus que c'était aussi long au début. Et en vrai, c'était énorme parce que, genre, tu commençais le jeu, t'avais genre aucun repère. Genre, Et personne te disait. Enfin, tu j'avoue savais qu'il fallait que t'ailles à que Balmora, mais. trouver la guilde des guerriers, Et merci. rien que trouver Caïus Cosades, ou trouver. Non, c'est pas Faut là. que tu parles aux gens, ils disent ouais, c'est à l'ouest de la rivière. Ouais, c'était trop galère. Ça, c'est la première quête de la guilde des mages, elle était trop chiante. Ah oui, quand tu dois chercher un champignon, C'est ça, aller Aspen sur la Tantalus. rive, je sais pas quoi, mais je m'étais perdu, j'étais arrivé dans J'attends un. de vous une faveur. Oh, une petite faveur, hein. Voici, c'est que ça, hein. Quand tu veux, mon gars. Les ruines à Dwemer d'Arkartang sont C'est toutes ça, tu proches. sais, beaucoup de choses. On appelle le casse-tête Dwemer. Le casse-tête Dwemer, genre tu vas risquer ta vie pour aller chercher ça, t'sais. Bah oui, tout à fait. Tout à fait, pardon. Tout à fait. Nécessaire de couture. Pourquoi j'ai parlé de ça? Au revoir. Truc a aucun rapport, Moi, je vraiment. suis là pour faire de la couture. Vous allez me chercher deux aiguilles à tricoter. Mais arrête d'essayer. Ah! Arrête de vouloir aller dans le dortoir. Et là, du coup, ouais, c'est bon, il t'a balancé la quête. Y a plus qu'à. Il n'y a plus caca. Y a plus caca. Très très loin. Oh, du haut level. De très haut niveau. Est-ce qu'on s'achète un Avec petit son truc petit legging d'abord? là, On tu veux pourrait acheter peut-être quoi? s'acheter un petit sort ou. Vas-y. Un truc d'invocation, ça pourrait être pas mal. Allez. Quoique. Je sais pas, c'est un peu. Faut pas toujours faire confiance à. Sort. Faire foutre. Ouais, mais je sais pas si. Je crois qu'ils te vaudront que dalle parce que t'es pas mort. Si, je crois qu'il y en a un ou deux qui vendent. Ouais. Trouvons-le Genre, alors. elle par T'as là, là. l'éclairage un peu bleuté et assez stylé. Et tu vois. Ah ouais, direct. Ils ont aucun scrupule. Business is business. C'est ça. Alors, bouclier de feu. Ouh, ça sonne bien. 30 secondes. Mais ah ouais, on a pas mal de pièces d'or déjà. Ouais, ça va vite, hein. 1000. Genre, le mec il vient d'arriver, c'est un ex-tola. Paf, 1000 pièces d'or. J'avais aussi tout que tu peux Eh, gameplay ça des bouge sorts plus, ça bouge pareils. plus. Non! Ça Ça a si. bugué. Non. Si. Non. Crash. Non. Non! Mais pourquoi ça a crashé, ça arrive? On n'a pas sauvegardé? On va arriver où? À la porte? Oh oui, on va arriver à la porte, la sauvegarde rapide. Vas-y, dégage, faut tout quitter, faut tout dégager. Putain, sérieux, c'est quoi ce crash de merde? Putain, bah, je vais balancer mon PC par la fenêtre. Il sert à rien. Il se passe quoi là? Je ne sais pas, le. Non, il veut pas le Vas-y, gestionnaire. alt tab, machin. Allez. Je suis un peu lent, Je crois qu'il faut mais. que t'enlèves le débugger truc là, il y a un pop-up, là ça. Ah, ça. Oh putain, mais sérieux, c'est quoi ce stream de la déchéance? Non, Alt F4 Y'a ne rien qui marche pas. marche. Là, on est vraiment bloqué, tu es bloqué. Et si, voilà, ça marche. Ouais, mais. Genre, ça va marcher de faire ça. J'en C'est sais ce rien, truc de moi. désespéré, ça marche jamais. Non, mais c'est le machin, la dernière fenêtre à droite là. Ah non, mais j'ai réussi à bloquer encore plus.
truc qui s'est mis dans Windows XP, ça. Putain, c'est pas incroyable ça. C'est incroyable. Incroyable et vrai. Bon bah je sais pas, on reboot le truc. On reboot le PC. Bah ouais, c'est un peu ballot quand même. T'es sûr qu'on peut rien faire là? Tu veux faire quoi? J'en sais rien moi. Vas-y, clique sur le truc de droite. Non, non, pas, mais non, là. Attends. Ah oui, non, peut-être que tu peux... Là, sur la... T'as une petite bornure, vas-y, clique. Pour retourner sur le bureau. Ok, ça fait de la merde, mais là, il est trop bugué. On fait quoi, du coup? Bah oui, reboot... Ah, ça, c'était sûr. C'était obligé que ça fasse ça. Bon, on peut arrêter de parler, il n'y a plus de stress. Vas-y, fais annuler. Oh! Même pas besoin.